Et yop les petits potes, nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars, ça faisait longtemps, oui je sais, ça faisait longtemps. Ah, désolé de mon absence d'ailleurs, j'ai beaucoup de problèmes de connexion en ce moment, donc c'est compliqué de live et de faire des vidéos aussi, parce que je prends beaucoup trop de temps à upload les vidéos, et même pour télécharger une miniature c'est très long. Bref, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour, bah voilà, le défi de la princesse, donc voilà, lockbait double fût les gars. Je vais pas vous le présenter, enfin, parce que je pense que vous le connaissez tous, bon bah je vais quand même le faire, mais... Bon, une princesse, princesse qu'on est obligé d'avoir en tout cas dans le défi. Le fuet gobelin et le fuet squelette pour les attaquer. Le gobelin sabacane qui est très solide en défense avec le chevalier. Et les squelettes pour tempo. La tour à bon qui est un des bâtiments les plus solides. Et la bûche, voilà simplement les gars, on est parti sur le premier game. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui le feront. Et on est parti pour la première game. Ok, donc mets des boulets de suicidaire, on va juste mettre des petits queues. Et qui va les gérer. Ok, on prend un petit coup, c'est pas grave. On va être une princesse au pont. Ok, alors qui c'est les gardes? Oh, il y a vraiment des creux loin. Évidemment, j'ai pas ma bûche. Je vais mettre un fuet à squelette. Voilà, elle va mettre un fuet gobelin. Oh, oui, ici c'est. Il n'y a plus de flèche. Mec, il y a tellement de trucs par contre pour gérer, c'est trop. Ok, donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre une princesse au pont parce qu'il n'y a plus trop d'élèves. Je vais mettre des squelettes en plus pour la protéger. Pas des gardes. On va mettre la petite bûche. Hop, voilà, petite bûche pour gérer ça. On va laisser gratter, c'est pas grave. Il va être un petit peu dommage perdu. On va aller constater. Par contre, il a double sort, ça ne m'arrange pas. Il a double sort, ça ne m'arrange pas. Petit fuet squelette. Okay. Une bûche. Attends, du coup là il avait quoi tout à l'heure? Oh le casse-cou, oui. On va mettre une princesse du coup. Ouais, on va mettre un max relou. Hein. On met bat, hop. Là on va aller mettre un gobelin sabacane ici. J'ai mis trop bas en fait. Comment on fera le gobelin sabacane hein. Nickel, obligé de garde sur ça, on va remettre un fiel squelette. On anticipe ultra vite et il a un deck méga relou. Qu'est-ce que casse-cou ici. Voilà, on va tenter de bait sa bûche là. Hop. On va bait la bûche. Ah ouais, belle flèche. Hein. Très belle flèche, mec. Ouais, j'ai mis. On va mettre une prince au point avec des squelettes encore. Ok, bon alors. Là, on va remettre un dart. Parce qu'il va redéfendre le dart comme un. Bien relou. Hop. Okay. On va mettre ça sur une bûche à 72 hein, je crois. Je pense qu'on va le rebait. Je pense qu'il n'y a pas si attendant cette fois-ci. Peut-être que si. Ok, le gobelin qui a bien gratté. Bon là le but ça va être de juste full défendre. Ouais, je suis 3 bombes. Oula, comment ça. On sait ce qui gère les bats, on va mettre un chocheux. On va lui mettre un dart. Mais là faut que je recycle mon ma bouche. Et nickel. Un petit pet pour aller. On va aller mettre une petite tour à bombe. On est prêt avec la bûche. Ok là il la met bien. Hop. Et des tisques et une princesse pour l'éternité. Et on va partir cette première win. Voilà. Bon. On a commencé avec le lockbait. On va faire le deck random maintenant. Maintenant les gars, c'est du deck. En vrai. Voilà, intéressant, fait. Lockbait. Pour l'instant, on n'a pas. Désolé, excuse-moi. Pour l'instant, on n'a pas affronté de lockbait et ça, c'est plutôt cool. Donc, hop. Même quand je dis ça. Défense, ok, ça c'est là du lockbait classique. Quoi. On va déjà bait la bûche. Personnellement, on va bait la bûche. A voir. Ok, main gang, bien joué de toute part. Ouais, enfin, pas envie de bûche. Un tour à bon. Le problème, c'est que. Dart là. Le dart s'impose. Hop, voilà, donc il faut assumer son dart. Enfin, j'étais. Il y a un petit coup de gobelin à Saravacan, rien de. Et on va remettre la princesse. Hop, on va mettre les petits squelettes pour aller tempo. Voilà, nickel. C'est la princesse.
Et là, comme il a plus de bûches, on va pouvoir se permettre. Attendez. Hop, on va mettre bien de ce côté. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Ah, il a plus d'électro. Mais oui, mais il est con aussi. Ils ont juste un max. Ils vont nous chercher parce que comme ça, s'il met. Ah, oui, j'ai mis un bon chevalier là. Grosse dinguerie là. Ils sont grands. Oh loup. Ah, tu dégages. Ah le bâtard. Il va mettre des squelettes. Hop. Et, hop, on va les mettre un fuit en plus. On casse bien les coups. Alors j'espère qu'il va bûcher. Ouais, nickel, il bûche. Donc on peut se permettre de mettre un fuit comme de l'autre côté. Et là, c'est trop lourd pour lui. Là c'est trop lourd pour lui. Et là il n'y a plus d'élixir et nous on met d'énormes dommages sur les deux côtés. Donc là c'est plutôt bien mal, on met une bonne pression. Donc là comme je sais qu'il va le protéger. Ah oui, vous savez qu'il est protégé. Non, allez. Il met un dart, évidemment qu'on bûche, on prend la value. On va mettre ça, là je me prépare si... Et ok, ça plus ça, très bien, ça me va. Hop, voilà, parfait les gars, voilà, c'est une défense parfaite. Donc là regardez, je suis sûr il va pas le voir, obligé de le voir pas, regarde. Hop, le petit bait du feu gobelin il va passer crème je pense. Voilà, je savais, c'est sûr qu'il allait passer crème. C'est obligé. C'est obligé qu'il fasse crème les gars, le bait du... Hop, le petit coup de tour en 600 plus, ça fait plaisir. On va remettre une tour à bombe. Hop, petite tour à bombe. On va les mettre en chouchou ici. Hop, nickel. On va. Cette fois, on va pas le mettre, on va le mettre devant parce que je pense qu'il va tenter de la mettre un peu derrière. Oh, la value qu'il nous donne. Là, que je la prends ta value. Ouais, t'as vu, je t'avais dit. Là, il va la mettre derrière. Il va laisser la prince connecter. Oh, l'erreur. En fait, là, ma princesse va quand même rester en vie. Donc, c'est relou pour lui. Là, on va mettre. Hop, le petit que. Oh, bien joué. Je reste 3 à 10 là. Nickel. Bon, là, regardez. Hop, oh, petit bête sur la gauche. Cette fois-ci, on l'a pas encore fait celui-là. Oh, le con. Oh non, dommage. Ah, ça, c'est le bête. Let's go. GG, mec. J'ai clairement été meilleur. Allez, on se retrouve pour la prochaine. Ok, nous voilà pour la prochaine game. Ok, bon. On va essayer de pas faire de défaite. Alors, si j'ai fait une petite défaite, parce que je suis un peu un micro bleu, le gars, vous voyez. Oh, encore lockbait. Oula. C'était pas un lockbait comme prévu, ça. De base, dans le pacte, il était pas censé avoir un gobelin sur la canne. Attends, j'ai besoin de voir. Est-ce que je suis réellement obligé de bûcher? Non, la tour s'en charge, très bien. Il y a plus ses flèches. Au cas où il y a une bûche, je bait. J'ai aucune idée s'il y a une bûche, donc je préfère Bates. Il y a une princesse. Nickel, c'est la princesse qui va se faire des pop, et là on va mettre d'énormes dommages. Ok, oui, ok, non. Félix. Hop. Faire la cheville, ok, il met des squelettes. Il met un électro, c'est très bien. On peut quand même se permettre de. Nickel. Bon. On a mis de bon délire. Ouais, il a plus d'élèves, donc là normalement il va mettre une bûche. Et là on peut mettre le feu gobelin. Il a des flèches. Non, il a pas de bûche justement, il a fait des flèches. Ok. On va mettre la petite princesse ici, on met des squelettes ici en même temps. Et la princesse qui va aller tout foutre. Ça. Il y a un électro sorcier, donc on peut mettre un chevalier devant. Hop. Et cavabélier. Ah ouais, ça je l'ai pas encore vu celle-là. On l'avait pas encore fait celle-là. Pas mal ça. Oh non, ça tue la princesse, c'est honteux. Faut tellement pas tuer la princesse. On va devoir défendre. Ok, il m'a un écran sorcier, ça me va très bien. On va juste mettre un dart au middle. Et je vais contre-pêche. Petit contre-pêche. Voilà, il va mettre des flèches, je pense. Il défend avec son dart. Pour les flèches. Allez, hop. Et ça. Et là, Théma, les gars, le bait du gang de gobelins là. Je vais le mettre à droite. Je le mets derrière. Ok, si je le mets derrière, je vais le mettre devant le prochain. Je vais mettre une tour à bombe. Pas de problème. Tour à bombe pour les défendre tout ça. Ok. Alors attendez. Là, on va mettre ça plus ça. Ah. C'est parfait ça. On va mettre le fieu gobelin bien devant. Attends, il y a zap flèche là. Le casse-couille.
On va les mettre une petite chebu, voilà, nickel, très bien, ça défend. On va les mettre aussi un petit chevalier. On va les mettre ça, plus ça. Et il va pas pouvoir mettre ça, des bonnes flèches là. Quand il a un peu triple fort quand même, enfin, genre, il est un peu nul, mais ça c'est un détail ça. Ok, bon là on peut mettre une tour à bombe au pont, on en a rien à foutre, on pré-shot de Kava, non, on pré-shot rien, on a win, let's go. Ok les gars, on se retrouve pour la prochaine game. Ok les gars, okay, c'est parti. Les gars, d'ailleurs, je tourne cette vidéo le jour de rework du séisme. Les gars, vous en pensez quoi? Alors pour ceux qui ne savent pas, le séisme fait 15% de dégâts en moins sur le tour couronné. Donc là, les deux tours là, c'est deux tours et la tour du roi. Mais je crois qu'elle fait 35% en plus sur les bâtiments. Oh, j'ai plus, non. Elle fait, je crois qu'elle fait plus de dégâts sur les bâtiments. Et genre un coup de GR plus un séisme, ça défend une. Enfin, c'est une voix bon quoi. Alors fallait mettre... avant, il fallait mettre un séisme et deux coups de GR. Avant, c'est un. Donc, vous en pensez quoi? Dites-moi si vous pensez que c'est mieux, si c'est un up, un nerf. Pour moi, c'est un up. Du coup, le séisme, il est clairement pas mort, il était up et c'est. Bon, moi, je m'en fous, je joue pas de bâtiment. Mais pour ceux qui vont jouer des bâtiments, genre lockbait là, ils vont die en fait. Genre, en fait, Lemonty, il a sorti une vidéo là tout à l'heure et en gros, il jouait contre. Contre un PKT2, il a gagné. Alors que le gars, il a clairement hard counter puissance 38 à peu près. T2, déjà, c'est ingérable parce que t'as pas sens électrique dans le deck Géant Royal, Géant Squelette. Voilà. Ils ont tous 10 000 sorts, c'est trop chiant. Hop. Là, on met d'excellents dommages, parfait. On met une petite princesse pour les défendre, tout ça. La princesse qui va les défendre. Très bien. Là les gars, si vous avez des idées de concept de vidéo, n'hésitez pas à me dire, hein. Je prends. Ok, maintenant qu'il a plus de bûche, je peux me permettre de faire ça. Là, il a plus de bûche. Donc je vais. Ouais. En fait, il a bien joué parce que là, il a mis l'impression de temps. Donc je peux pas mettre un feu à gobelin, sinon j'ai peur de la tour. Hop, petite bûche. Ok, à moins de mon dégât. Ah. Mes squelettes. Ah, l'avantage de pas avoir ultimé squelette, sinon je. Ok. C'est moi les gars. Hop. On va bien les mettre là sur le côté. Ça passe sur T2 normalement. Je crois qu'il a mis une case trop bas. Non, ça c'est. Il a mis une bûche. Bien joué de sa part. Attends, est une tour à bombe. On va les mettre un dart. On va les mettre des squelettes. Oh, dommage. C'était bien joué le free shot. Là, les gars, regardez. Hop. Il a raté sa bûche. Voilà, c'était sûr qu'il allait rater sa bûche. Attends, je vais garder ma bûche du coup. Oh, quel casse-cou. Ah, je suis obligé de ma bûche. Il le sait que je suis obligé de ma bûche. Il le sait. Ok, alors du bait encore là. On met une princesse, évidemment là on va over défense. Hop. Voilà, nickel, on prend 0 dégâts au moins. Bon, là il a pas recyclé normalement. Ah, s'il a peut-être recyclé du coup. Non, il a pas recyclé, nickel. On met un petit coup de gobelin, ça fait plaisir. Ok, on rattrape un petit peu les dommages perdus là. On garde bien notre bûche. On va mettre une petite princesse. Ouais, en fait là, le problème c'est que je pense qu'il va mettre un truc devant. Je vais mettre un dart au pont. Oh, casse-couille. Non, la princesse faisait qu'elle meure. Oh, il y a sa princesse qui meurt, c'est bon. Allez, hop, gros petit bait. Ah, bâtard. Il a bien joué. Non, les squelettes, faudrait qu'il tempo en fait. Les squelettes, allez, les squelettes, s'il te plaît. Ah, rien. Il a pas de sort, mais je pense que j'ai loose. Après, ça fait tellement de dégâts, c'est. Je jure que le bait il va passer au bout d'un moment. Ah, maintenant il s'est mis ses flèches, donc je vais le mettre devant là, prochain. En fait, il va m'obliger à jouer. Okay. Regardez, hop, Théma. Oh oui, il n'y a plus de flèche. Ah bâtard.
C'est fini. Bon, première défaite, les gars, c'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui. C'est vraiment un casse-couille, le gars, par contre, hein, qui nous a battu juste avant. C'est vraiment un casse-couille. Bon, bref, c'est pas grave. On met un fiasquette au pont. En fait, au moment, j'ai pris trop de dégâts. Je sais pas trop comment, mais j'ai pris trop. Princesse fond de map. Ok, bien fait, gobelin. On va aller chevu tout ça. Et on va aller mettre un chouchou en plus. Hop, nickel. Petit chevalier pour les défendre tout ça. Ok, là, alors, attendez. Là, il y a moyen de faire un petit queutru. Alors, donc là, on va mettre un feu gobelin et on attend, on va voir ce que ça donne. Ok, il a une armée squelette. Le feu gobelin qui va bien gratter. Est-ce que la princesse pouvait die? Let's go. Le dart qui va l'aider. On va mettre les squelettes pour prendre trop cher. Ouais, nickel. Et le dart qui va les gratter deux coups. Oh, trois coups. Oh, let's go. Ma tour à bombe. Ok, très bien. Ok. On va les mettre un chef squelette. On va amassant un peu. On met les bases, il va mettre sa Valkyrie, je suppose. Ok. J'ai une Valkyrie. Oula. J'ai légèrement vu son bait là. Donc là, nous, on va le bait à notre tour. Qui va se faire avoir? Ah bah du coup pas trop non. Chevalier ici. Ah Mako, yes. Ouais, le délai là c'est un peu horrible. Hein. Ouais, là le temps que ça prend en fait pour poser une carte c'est trop long. Ah, je vais mettre l'autre côté, ça va faire je pense plus chier. Ah il y a une armée squelette. Oh le dart. Oh, le dart qui met deux coups, ça c'est cool ça. Les darts ils sont ultra relous aussi. J'entends un petit cut. Merde, j'ai mis clic. J'ai légèrement mis clic. Je le mets une française, je la mets au pont de base. Petite princesse. Oh oui, la princesse qui tue nickel. Donc là il y a une double princesse sur le terrain et ça c'est vachement bien. Merde, j'aurais pas dû. Oh oh le con. Là le con là. Ouais, là le con. Oh oui, il a mis tout d'un côté. Oh let's go. Alors par contre la tour à bombe, faut pas en parler les gars. Je vous en prie. On va remettre une princesse au pont avec un pré-shot armé de squelettes. Oh le bon pré-shot, très bien. On a win. Let's go. Parfait les gars, allez on se retrouve pour la prochaine game. Allez les gars, dernière game. Ou pas d'ailleurs. Je vais perdre. Je me donnerai. Oh ma gueule, je vais me prendre un karma sinon ça va être violent, j'ai pas comprendre. Allez, petite princesse au pont pour commencer les hostilités. Oh je fais fresh shot bûche mais j'ai bien fait de pas faire. Alors attends, si c'est un match miroir. Y'a plus de but. Oh. Esprit 8. Esprit 8. Ça c'est fou. Ça c'est. Ok, moi bon, attendez. Ah, bien joué. Oh, il a raté, dommage. Ok, là je vais hop. Bien protéger mon dart comme un bon gros relou. Nickel, là les gobelins qui ont mis une masse dégâts. Ok, il met une delbuche. Bien joué de sa part. On va mettre une pente. Ça c'est bien relou. Hein. Je vais mettre un dart comme ça. Hop, je vais assumer un peu les dégâts des deux côtés. Normalement, ça devrait le faire. Le dart qui fait le taf. Hein. Ouais, un bon dart. Ouais, tu pourrais tuer la princesse? D'accord. D'accord. Là, tu fais de bons dégâts. Hop, nickel. C'est une petite bûche, là, peut-être. Bûche. Non, okay, bien joué de sa part. On a un petit goût de gobelin, ça c'est cool. On va les bûches, je pense. Parce que même s'il a un fieu gobelin, c'est pas grave. Hop. Ah. Ça, c'est pas prévu, ça. Comment ça, il joue Arkis? Les gars, c'est autorisé de jouer Kicks ou pas? Ah putain, le karma, je vais en parler tout à l'heure du karma. Il défend. Et mec, il a encore. Mais attends, il y a combien d'Elex, les gars? Elex, là.
Et il a encore une princesse. Oh, c'est... Attends, chevalier, pour défendre tout ça. J'ai l'impression qu'il a pas de sœur à part une chebu. Bon, du coup, maintenant que je sais qu'il a pas de... Ok, on va mettre une petite princesse au pont. Ok, met une chebu, très bien. Hop, là, il y a moyen de faire une petite dinguerie, là. Ouais, grosse dinguerie, là. Okay, on met de bons dégâts, on met de bons dégâts. L'Arkix, en vrai, en soi, je pense cette tour, j'ai win, hein. Là, j'ai recyclé ma bûche, donc ça tombe bien. Enfin, mon fieu gobelin. Là, je vais spam, là. Je pensais qu'il a sa bûche, là, non? Ouais, il a sa bûche. Mais il a le fieu à squelette qui peut être lourd. Ah. On peut aller chebu tout ça. Hop. Ah, ça, c'était pas prévu, ça. Je pense qu'il va essayer de prendre la tour. Il y a une roquette, hein, ouais. Ok, les gars. Bon, bah, c'est pas grave. On va faire du coup la dernière game. Et on se retrouve pas tout de suite. C'est pas mal, du coup j'ai dû recommencer le défi, génial. Heureusement que j'ai le pass, quoi. Il veut jouer emote, c'est pas de soucis, mec. J'en ai... Oh putain, mais c'est une blague. J'aurais dû mettre une case à côté. Ah. Monsieur Gobelin devant. Oh, ils ont tous des bûches, mec, c'est trop chiant. Ok, hop. Il y a pour un prince là. Je vais mettre un chevalier au pont. Ok, bon, le prince qui se fait défendre facile. Et ok, un chevalier au pont, il va mettre son ballon, je suppose. Voilà. Tout pareil, hein, le jeu. Sauf que là, je pense que je vais prendre un petit coup de ballon, là. Ça, c'est la bombe tape. Oh, putain, la bombe qui tape trop tard. Mon dart pourrait survivre. Oh, let's go. Oh, peut-être, là, il y a moyen de faire un petit coup de truc si t'appelles le dart. Évidemment, si t'appelles le dart. Sinon, c'est pas drôle. Peut-être. Non, toujours pas. Ok, on va mettre des tisquettes en plus pour défendre le... L'électro-sorcier. Je l'ai raté, mes squelettes. Et il a une bûche. Ah voilà, le tir scooter là des familles, hein. Il y a vraiment aucune luck, hein. Chaque fois que je mets la princesse, il la met juste après, quoi. Bon là, ce qu'il y a, c'est que je sais qu'il a passé pour le ballon. Bon là, il va douiller. Là, moi, je vous le dis, les gars, il a pas recyclé sa bûche. Il va douiller, moi, je vous le dis. On va tenter quand même de mettre un petit bait à la bûche, au cas où. Hop. Ça va mettre une belle bûche, non? Merde, je l'ai pas vu. Quand il joue MK ballon prince là. Avec des recrues. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah ouais, là, niveau spam là, on est pas trop mal quoi. Attends, j'essaie de le retenir là. Attendez, parce que là. Peut-être, ouais, non, j'aurai jamais le temps de recycler en. Ah, mais non, là, il y a trop spam là. On va bien faire. Hein. C'est un bel électro là. Hein. Attends, peut-être. Peut-être avec la bûche, la princesse et toute la daronne. Je peux peut-être mettre. Oh oui. Peut-être finir la tour là. Hein. Oh oui. Let's go. Oh mec, il avait un sacré scooter, hein. Le gars était sacrément nul quoi. Parce que là mec, normalement je vous ai pété le fion là. Bon du coup on va terminer ce défi, ça fait plaisir. Ok, donc on a Titimot. Sympathique. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo les gars pour le défi de l'élixir illimité. Je vous présente soit un deck troll, soit un deck tryhard les gars. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et ciao.